Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Bon, je retire les cheveux. Donc, je suis en train de préparer mes glissières. Bon, en fait, c'est en train de sécher, c'est pour ça qu'il est à l'envers. Ça donne ça. Oups, là, ça saute. Voilà, pour tirer, hein, c'est en train de coller, donc. C'est pour ça que je l'ai mise à l'envers. J'ai calculé 5. Je vais vous baisser sur mes mains. Vous allez comprendre tout de suite. Voilà, j'ai calculé 5 emplacements pour 8. Sachant que il y a des mousses sur le truc. Hein. Voilà. Donc, il me faut coller la moitié, voire un peu plus. Oups, là. Ça, c'est du plastique. Donc, j'en colle, disons. Voilà. Alors, ça, j'ai mis le côté vert d'un côté et l'autre côté de l'autre côté. Voilà. Allez, c'est séché. Mince. Voilà. Je vais laisser sécher comme ça. Donc là, je me les suis mis comme je veux les voir. Donc, hop, on va tourner. On va regarder où se place la moitié. Donc, je colle grossièrement. Mais il faut que ça colle. Je vais me mettre à la moitié. Voilà, celui-là il est fait. Je me mets de l'autre côté. J'en ai fait 5. Là, le papier c'est 100% action. Même les ballons. Donc, là, et où? Aïe, là, ça colle. Voilà, là, de l'autre côté. Ah oui, d'accord, de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai voulu changer. C'était les mêmes, mais j'ai voulu changer de dessin. Hop. Et zou. Alors bon, il faut laisser sécher. Voyez comment que c'est la deuxième que j'utilise. Hein. Ça part vite. Achetez-moi, je l'aime bien celle-là. Hein. Donc, voilà. Pour les tiroirs. Là, il me reste un scratch. Après, c'est que des mousses. Des fois, je me demande si je ne mettrai pas des mousses sur les pads, mais j'en vois pas l'intérêt. Et là, c'est bien des mousses. Hein. Donc, vous voyez, ça... Ça va vite aussi. Donc, je vais reprendre le premier. Hop. Parce que
que je mettrai un violet en premier. Hop. Hop. Voilà. Comme ça, ça c'est fait. Ensuite, je vais laisser. Je pense que là c'est bon. En fait, ça fait ça quoi. Petite tirette. Voilà. Ça fait son job. Bien sûr, les tirettes, hein, c'est ça, c'est du plastique. Hein. C'est ni plus ni moins que du plastique par-dessus. C'est vert. Hein. Il est vert. Mais il fait multicolore. Alors voilà, j'en ai mis un dans un sens et un dans l'autre. Le papier, hein, je parle. Hein. Voilà, ça fait des tirettes assez sympas. Il y a les bâtons. Alors, je vais utiliser pour faire des glissières. Donc, il me faut sur toute la longueur, il faut que je fasse des repères des traits et il faut que ça fasse le job de ça là ici. Vous voyez, sur toute la hauteur. Bon, il n'y en aura que 5. Hein. Ça, je vais le remettre à sa place. Et ça, hop, coucou, il est où? Il est là, c'est celui-là. Voilà. C'est le vert que j'ai choisi, pas celui-là, je crois qu'il était avant. Après donc, ah ben il est là, hop, et zou, ah bah oui mais j'arrive pas à le glisser, ah c'est pas simple, voilà, donc je me suis servi de celui-là, et de celui-là. Voilà. Je me suis coincé le doigt. Là, je rigole pas. Ça fait mal. C'était violent. Ça a été violent. C'est pour ça que là, j'ai rien fait. À part les tirettes. Bon, ça va, ça colle pas. Voilà. Là, je ne l'ai pas centré, mais c'est pas grave. Hop, là, ça colle par contre, là. Bon. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche bien. Étape par étape, hein. Bien sûr, le meuble sera recouvert. Si j'avais une boîte encore de la bonne dimension, je dis pas. Mais je n'en ai pas. Donc, il faut la faire.
vais regarder un truc. Rien. Il fait 1 mm, donc 1 mm d'épaisseur. Faut que j'ajoute 2 mm, donc 15 crayons. Et là, en hauteur, 2 aussi. Si je veux que le 7,7, 15,2. Si je veux que le 7,7 reste 7,7. Et là j'ai dit c'est pas 1,5 cm, ça va être 2 cm. Bon, c'est sale, la gomme était sale. Du coup, voilà, je suis en train de cogiter. Il y aura 2 carrés de 15,2 sur 15,2. Rectangle de 7,7 par 15,2 et au dos le rectangle il fera 7,7 par 15, non, 7,9 par 15,4, ce qui se colle au fond. J'ai mal écrit. Voilà. Voilà. Les dimensions sont prises. Franchement, ça fait pas du bien de se coincer le doigt à cause du vent là. Bon, allez. Je vous laisse là. De toute façon, j'en suis là. Et puis, j'avancerai pas plus aujourd'hui. J'ai plutôt laissé se reposer mon doigt. Oui. C'est bien rouge. Voilà, vous voyez la trace. Et avoir un beau bleu. Je sais pas quelle heure il est. Hop, 6h moins le quart déjà. Ah bah dis donc, ça tourne. Bon, je vous dis à plus. Et voilà.